If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget. Ouais, ça va. On est tous un peu, des fois on a des petites réactions un peu vives parce que bon, on a toujours envie de bien faire, d'aller vite et tout, etc. Non, je pense que c'est quelqu'un d'humainement qui s'intègre pas mal. C'est vrai qu'il a l'air un tout petit peu comme ça, des fois au premier abord, un peu rustique, mais sinon, non, c'est un mec, on se connaît bien maintenant. Troisième saison pour Patrice Goualard au sein du team Luc Alphand. Nouvelle Corvette, nouveau coéquipier, nouvel ingénieur. Dorénavant associés à Luc Alphand et Guillaume Moreau, leurs adversaires en GT ont pour nom Aston Martin, Lamborghini et Saline. En prototype, Audi vient défier Peugeot et les Porsche se placent en épouvantail. La présence renforcée de ces constructeurs prouve que ce championnat d'Europe Le Mans Series est bien la vitrine de l'endurance. Les courses sont longues de 1000 km, soit 6 heures de spectacle intense. La saison démarre par deux jours d'essai sur le circuit du Castellet, où le team Alphand, version 2008, réalise le meilleur chrono. De quoi motiver les troupes du manager Philippe Poinclou. À Barcelone, pour l'ouverture, Patrice Goualard et ses coéquipiers signent leur première victoire avec deux tours d'avance sur la Saline l'arbre compétition. À la régulière, la Corvette 72 va mener la course de bout en bout et s'imposer devant les champions 2006. À Monza, la course sera marquée par le terrifiant crash du Proto Oreca qui provoque la neutralisation de l'épreuve à 30 minutes de l'arrivée. L'avance de 20 secondes que comptait notre Corvette sur l'Aston Martin va fondre comme neige au soleil. Au final, l'équipe termine deuxième et conserve la tête sur le championnat avec 8 points d'avance. We'll be right back.
nouveau circuit d'Europe leur permet d'accroître leur avance. Deuxième succès de la saison avec un tour d'avance et 28 points marqués au championnat sur 30 possibles en 3 courses. C'est convaincant. Patrice Gollard le sait, pour gagner un championnat, il faut marquer à toutes les courses. Le Mans, en fait, quand on y a goûté, on peut plus s'en passer. Hein. Je me rappelle être venu pour la première fois en 94. Ça s'était mal passé, mais depuis, sur 13 participations, j'ai fini 11 fois, avec deux podiums à la clé. Donc, c'est toujours émouvant. Après une visite dans le stand Alphand, François Fillon donne le départ des 24 heures du Mans 2008. Les 24 heures ne comptent pour aucun championnat, mais restent les Jeux Olympiques du sport automobile. Deuxième drapeau à damier sur 14 participations pour Patrice. La course a été dure, la pluie s'est invitée dans la nuit et a compliqué la stratégie. Superbe performance, le team Alphand et Patrice Gollard raflent les deux premières places du classement des équipes privées avec les deux corvettes à l'arrivée. Aucun ennui mécanique sur 24 heures, coup de chapeau aux mécaniciens. C'est une belle aventure qui se termine bien. On peut dire qu'on a quasiment remporté une victoire parce qu'on finit premier et deuxième dans les équipes privées. Devant nous, on n'a que des constructeurs, pas des petits, General Motors, Aston Martin, Audi, Peugeot. On ne peut pas lutter contre les grands constructeurs, donc pour nous c'était une victoire. La mécanique se grippe. Guillaume Moreau s'accroche avec un proto. La Corvette 72 doit rallier son stand après seulement 12 tours. Il y a de la casse. Le système complet de remplissage d'essence est à changer. Après 50 minutes d'effort au stand, les mécaniciens remettent la voiture sur la piste qui termine à une deuxième place inespérée après l'abandon de la Lamborghini. Que d'émotion. Au Nürburgring, le team Alphand a failli tout perdre. C'est devant 53 000 spectateurs que va se jouer la finale face à une équipe britannique qui joue à domicile avec une voiture anglaise, l'Aston Martin. Avec 10 points d'avance, il suffit à Patrice de marquer un petit point pour être titré. Nouvelle frayeur en début de course quand Guillaume Moreau rentre au stand avec la roue arrière gauche desserrée. Un bref arrêt qui leur coûtera indéniablement la victoire en course. Car l'épreuve sera piégeuse, les incidents nombreux, mais la Corvette va tous les éviter, franchir la ligne d'arrivée 3e, résultat suffisant pour remporter le championnat 2008. Seul regret, Luc Alphand, retenu au Portugal pour cause de Barra, n'aura pu marquer de points au terme de cette finale. C'était une course difficile pour nous. On a connu des difficultés en début de l'épreuve, alors qu'il fallait qu'on finisse. Moi, j'ai eu mal au bras. C'était dur pour moi de doubler un relais. J'avais du mal à tenir le rythme. Donc, on fait un podium, on a fait deux deuxième places, deux victoires. On ne peut être que content de cette saison. For me, and I'm feeling good. Patrice Gollard et Guillaume Moreau sont sacrés champions d'Europe GT. Corvette a battu Aston Martin et Audi a battu Peugeot en catégorie prototype. Mission accomplie, Patrice et Guillaume sont champions avec 42 points marqués sur 50 possibles.
Déjà triple champion de France et champion du monde, Patrice Gollard épingle le championnat d'Europe à son incroyable palmarès. Et ce n'est pas fini. I'm feeling good.